Voilà, si l'on prend le plan à large, vous verrez que le plateau s'est un tout petit peu métamorphosé. On a quelques invités sur la table, notamment Black Angel, Success, Pistachio di Maravilla. Ce sont quelques fragrances de cette marque de parfum d'un de nos frères, d'un patriote de la diaspora, la personne de Patrick Malunga, qui est avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour et bienvenue, monsieur Patrick Malunga. Bonjour, bonjour, notre frère. Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. C'est les frères Okito? Christopher. Christopher. Si je vous donne mon nom de famille, vous risquez de vous couper la langue. Oh, Christopher, it's fine. I Christopher. got it. Oh, yeah, merci beaucoup. Je suis très Je content. disais tout à l'heure que depuis que vous êtes entré au plateau, ça sent différent. Oui, ça, c'est la marque, donc, si on peut dire, c'est la marque congolaise. Donc, Maravilla. oui. Mais ce n'est pas un Non, entrée congolais. Hein. non. Ce n'est pas un produit congolais Avant parce que. d'y aller, avant Oui. d'y aller d'abord, en tant OK. que spécialiste dans le domaine, Oui. j'aimerais que vous puissiez me dire ce à quoi ça sert de sentir bon. Voilà. Les parfums, d'abord, elles-mêmes. Donc, nous avons donc quelque sorte de parfums. Donc, voilà, des marques, de ce qu'on peut dire. Il y a parfum, eau de parfum, eau de toilette. Oui, de tout ça, dans les lignées. Mais pour le moment, on vous offre d'abord eau de parfum, qui est deuxième en ligne. Donc, ce qui fait que la population congolaise, donc tout homme, VIP, n'importe quel homme, de graisser un peu, de sentir bon. Donc, les parfums attirent, les parfums donnent de l'allure, les parfums donnent de la qualité. Quand tu sens bon, tu es de directement qualifié. Tu peux avoir, tu peux être en babouche, mais en petit culotte et tout, simple. Mais quand tu sens bon, directement, on te voit, mais d'où vient ce monsieur-là? Tu vois, ça demande déjà, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, les parfums, c'est de l'allure. Vous C'est voyez? depuis quand que vous êtes dans ce domaine, vous? Oh, déjà depuis 3 ans, 3 ans dans le domaine, parce que quand je fais la Suisse et l'Australie, j'ai vu que l'Afrique chez nous, il y a de l'argent. Donc, il faut avoir Vous venez l'esprit d'Afrique d'écrire. du Sud ou bien d'Australie? Je suis de l'Afrique du Sud. Mais C'était. l'Australie et la Suisse, c'était juste dans le domaine de voir quoi, de quoi faire. Connaissance. Ouais. Creativity. So, OK. find a way to create something for the people, or Congolese people, right? So, yeah. C'est dans la parfumerie que vous êtes. C'est là que nous sommes entrés. J'ai travaillé dans le domaine, dans des domaines, dans des business sud-africains. Domaine sur des retail, mais j'ai jamais trouvé quelque chose qui peut nous amener à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, parce que le peuple congolais, comme nous sommes, nous autres, à la diaspora, si vous voyez bien, je ne sais pas, nous avons été critiqués. Donc voilà, on critique trop les gens qui viennent de la diaspora. Et ces gens-là, ils Mais viennent de depuis un là. moment seulement, hein. Ouais. C'est vrai, il y avait un mythe que non, la diaspora, c'est la solution. La diaspora, Barotine a vu son moment à Western, Toko Fete. Mais depuis un moment, bon, suite notamment à l'arrivée du nouveau président qui est un des diasporas, J'espère, voilà. il y en Qui est a à quelques-uns 1%, qui se oui. sont mal comportés. Voilà. Ils sont allés en prison, d'ailleurs pour la plupart, C'est pour ça. détournement. Et du coup, il y a eu une petite haine contre la diaspora. Vous voyez, c'est de cela que je suis maintenant. Donc, la diaspora, et vous voyez, donc, les gens qui sont à l'étranger, et ils pensent que quand vous êtes peut-être en Europe, l'Amérique ou bien quelque part ailleurs, ils ont tout. Non. On sort, on quitte les pays pour sortir, aller dehors. Quand tu pars là-bas, de là où tu es, Luka ni au quoi porter dans Bokanayo. L'entrepreneuriat, c'est entrer et puis prendre. Vous comprenez, non? Je suis allé là-bas, je suis entré et j'ai pris. C'est ce que j'ai amené là. Donc c'est Maravilla, fragrance. Donc nous sommes allés apprendre et puis nous amenons chez le peuple congolais. Voilà, j'allais dire consommons congolaise. Les Congolais consomment trop indien, trop chinois, trop. Vous voyez? Donc les Mais vous peuples. savez pourquoi? Parce qu'on se dit aussi qu'entre nous, on se ment beaucoup. Entre nous, il n'y a pas la qualité. Voilà. Nous avons mené à la qualité. Dites-nous ce que Maravilla a de particulier par rapport aux autres eaux de There parfum. we go.
J'ai Maraville Fragrance. Ces produits que nous avons créés. Nous, bon, personnellement, là, on a essayé. En tant que donc, une personne seule, j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire. Maintenant, on a besoin de soutien de vous, vous autres, la population congolaise, des bailleurs de fonds qui viennent nous aider, qu'on crée quelque chose pour notre pays. La diaspora vous amène quelque chose qui n'a jamais été au Congo. Ça, c'est Maraville Fragrance. Okay. Quelque chose en particulier que vous avez dit là. Ça, c'est pistachio. Vous pouvez aller dans des parfumeries. Ici en ville, nous sommes allés avec des amis. Et Alain Kikabwa et Kikwaba, nous sommes allés nous promener et tout. Dans des parfumeries, même en Afrique du Sud, pistachio, il n'y en a pas. Essayez. Il n'y en a pas. Moi, je vais me servir. Hein. Après, ici, j'ai un rendez-vous, donc je vraiment vais sentir bon. Donc, pistachio de Maraville, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Voilà. Donc, on ne donne que la qualité. Vous voyez. Donc, on vous offre la qualité. Les peuples congolais doivent consommer congolaise. Ils doivent savoir que nous avons des têtes à l'extérieur du pays. So outside the country, so they are trying to get ready to come back home, right? Mm-hmm. To do something. Donc il y a des têtes à l'intérieur du pays. Ils sont prêts à revenir. Voilà. Pour servir investir. Le pays, voilà. Pour investir. Merci ici. Beaucoup. On doit mettre tout dans les bonnes conditions pour cela. Voilà. Donc nous ne sommes pas allés en Afrique. Moi je peux te dire, je suis congolais, sud-africain. Mais je ne suis pas sud-africain parce que je ne trahirai jamais mon pays. Sud-africain, mais si tu ouvres ici, ça va te dire je suis non-citizen. Pas citoyen. Voilà. Oui, on dit qu'on... Je ne changerai jamais mon pays. Je ne trahirai jamais mon pays. Né en République démocratique du Congo. Voilà. Donc la RDC, c'est un pays là où il y a potentialité. Les pays qui est riche, les pays qui nous aident. Partout où je vais, là où je travaille avec les Blancs, ils te disent, oh, you from Congo. Ah, oh, your country is rich. What are you guys doing here? Tu es du Congo, ton pays est riche, qu'est-ce que tu fais ici? Mais là, ça me tique maintenant. Moi, je suis manager dans une entreprise. Je travaille avec les Blancs. Et je ne sais pas s'ils ont des photos. Je travaille avec des Blancs. Je suis les seuls Noirs, Patrick Malonga. Mais tu verras que les Sud-Africains, voilà. Oh, il y a une chose qui me revient. Je suis venu ici. On a vu des supermarchés avec des Pakistanais. Papa, c'est vraiment triste. Les Pakistanais ont des ligablos en Afrique du Sud. Vous voyez, tous les supermarchés, the grand mark, Shop c'est price. Pour les Sud-Africains, papa. Thank you. Shoprite is nothing. Et ça de l'eau, papa. Je parle des shop, what Woolworths and all the grand bigs. C'est pour les Sud-Africains. Même Shoprite. J'ai eu la chance de les raconter une fois. Le monsieur, il est plus. Même celui de Pick and Pay. Mais je vois ici un supermarché. Il y a un grand supermarché. Un Pakistanais. Tous, d'ailleurs. Papa, pourquoi? Et seuls les Congolais, ça ne tient pas longtemps, généralement. Et vous verrez que les managers superviseurs adjoints, c'est aussi un Congolais, mais il ne gagne pas assez d'argent. Mais seulement... Voilà. Il travaille beaucoup, mais il ne gagne rien. Vous voyez? Mais là, maintenant, on vous amène Maraville. Yabisomoko. Ces produits... Dès que nous aurons des bailles de fonds, ceux qui ont besoin de soutenir la population congolaise, comme les DG de Télé 50 que j'ai salué en passant. Jean-Marie Kassamba. Voilà. Et lui aussi, il est de la diaspora. C'est lui qui nous a donné du courage de venir ici, rentrer au pays et de voir de comment ça se passe, voilà, avec son énergie. Vous savez combien de flagrants? Parce qu'ici, vous avez ramené 3. Sur les photos là-bas, Je t'ai dit, j'ai plus de 20. 20 flagrants. 20 flagrants. Même les Blancs. Même les Blancs. Et même ils disent, mais Patrick, tu vas où? J'ai un peuple, plus de 100 millions, qui doivent consommer ces produits. Vous voyez? Qui doivent consommer ces produits. Alors, pour consommer ces produits, on a besoin de votre aide. Vous voyez? Donc, on a besoin de votre aide. Nous sommes capables de produire même 500 à 1000 parfums par jour. Nous avons besoin des machines, nous avons besoin des moyens financiers parce que là, moi je me suis arrêté ici. Ça, c'est des échantillons ou bien vous vendez déjà? Oh, ça là, ça entre aussi, mais
de comme vous êtes là, et vous aurez droit à un parfum. Ah, merci. Les DG a besoin, les DG aussi, il aura droit à un parfum, parce qu'il doit savoir, il y a même une bouteille de champagne pour lui, pour le 14e anniversaire. Oui. Donc ça, je l'ai préparé depuis de l'autre côté. Je ne sais pas si vous trouvez ça ici au Congo. En tout cas. C'est Congo, mais il faut faire attention. Là, c'est la qualité. Okay. Donc, nous sommes là pour vous offrir de la qualité. Donc, rien d'autre. Ok, tu m'as demandé des maravilles, là, et ce n'est pas congolaise. Bon, ça, c'est une dédicace de mon épouse, ma chère épouse. Ah, ça Merveille va. Milando. Ok. Mais je vois, ah, Merveille, c'est tout français, tout français. Congo, on parle déjà français. Il faut créer quelque chose. Voilà, donc, on essaie de penser. Wonder, English, not wonder. Ok, let's see. En portugais, maraville, ah, ça donne bien. Donc, c'est une inspiration, donc ça a pris du temps aussi. Ok. Donc, quand on crée, on crée pour créer des histoires comme ça, des cartes comme ça. Ça nous a, jusqu'à l'intérieur. Ça, oui, ça nous a coûté. Donc, c'est pourquoi on dit, même quand on donne des produits à un prix que les gens auront à prendre, c'est juste pour que la marque... Parce que les prix sont abordables. Très abordables. Papa, vous prenez ces parfums, je vous dis, nous avons vu avec l'ami $500. Et moi, je me demandais, comment est-ce que vous vendez des parfums à $500, peut-être que vous avez 50, peut-être que vous avez combo, je ne peux pas dire ça pour la publicité, combo, et ils vendent ça à $500, $800, $300. Mais combien de Congolais qui vont acheter les parfums de $500 dans moins de 6 mois? De combien est-ce que vous allez vendre? Rentabilité, bénéfice de mieux, ça n'est rien. Mais quand on vous donne... Même parfum, même odeur, vous comprenez? Même odeur. Mais là, on vous offre à la Congolaise, à un prix très affordable. Donc, marque de qualité à un prix affordable. Et tout le monde peut c'est se la servir. Même qualité, c'est juste le prix qui baisse. Voilà. Mais maintenant, quand ils voient, bah, j'ai un carton, bah, milagre, parce que sinon, ils ont de l'argent. Mais si on a aussi des moyens, on peut faire ce que... Même là. Mais ça, c'est là à la Congolaise. C'est que moi, je veux ça, made in Congo. Que tous les Congolais sentent yes. Bon. On doit frapper. They are made in DRC. So nobody will change it. This is our time to shine. Congolese people deserve better. You understand? So, Congolais, ils ont mérité mieux. Mieux. Parce que, you know, Congolais, c'est pour moi, quand j'ai passé, je suis un Congolais, oui. Oui, je suis un Congolais. Oui? Je suis Congolais. Même à l'aéroport, quand j'ai sorti là, tu passes, oui, je passe chez moi. I told him, green ID. I said, green ID. This is nothing. I said, non-citizen, my man. Don't worry. I'm not a citizen. I will never be a citizen. Je ne suis pas citoyen. Je ne serai jamais citoyen sud-africain. Je suis Congolais. Donc, je suis fier de mon pays. Alors, on doit être fier de ce qui nous appartient. La marque Maravilla Fragrance, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, Maman Denise, et aussi, là où elle est, et je sais comment que faire pour entrer en dame. Contact avec vous si la première dame est en train de nous suivre ou n'importe quelle autre personne d'ailleurs. Comment faire pour entrer en contact avec Monsieur Patrick, le patron de Maravilla? Bien, nous avons deux numéros ici des Alain Kikwaba et notre CA. Donc nous avons 081 017 76 63. Et des 089 et 83 03 708. Donc c'est deux numéros. Dès que vous appelez, et vous allez joindre nos amis du management. Vous pouvez recommencer parce que là j'ai pas bien entendu. Je peux vous aider. Hein? Ok, yeah. Merci. Sans vous aider. Je vais voir rapidement. 081 01 77 663. Pour le WhatsApp, je recommande 081 01 77 663 pour le WhatsApp et le 089 88 03 708. Je répète, 089 83 03 708 pour contacter M. Alain Kikwaba, qui est en quelque sorte le manager de... On va dire celui de Maravilla Fragrance, exactement. Merci beaucoup à vous tous, hein, à toutes les personnes qui voudront entrer en contact. Ces numéros-là sont disponibles. Merci d'avoir été avec nous. Moi, je suis le plus heureux parce que je vais sentir bon.
aujourd'hui, demain, toute la semaine, comme notre plateau en ce moment d'ailleurs. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. N'oubliez pas, Télé 50 est en train de célébrer ses 14 ans. À partir d'aujourd'hui jusqu'au jour J, le programme est spécial. On va faire une grande fête à la hauteur de cette chaîne, à la hauteur de ce pays. Restez branchés, Télé 50 avec vous. Le journal en langue, c'est tout de suite. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.télé50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24 heures sur 24. Une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. Matumaini yetu kwamba uhali njema. Karibu katika matangazo ya idhaa Kiswahili ya Tele 50 hapa ni mtasari wa habari. Wakati ni kwamba wanamemba wa shauri kuu la Umoja wa Mataifa duniani wameshitumu mauaji yanayoendelea dhidi ya raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wasi wa M23 unaoungwa mkono na serikali ya Kigali ya Rwanda yake